Bienvenue dans ce calendrier de l'Avent qui nous permet de découvrir chaque jour de décembre de nouveaux protagonistes francophones installés à Édimbourg et dans la région. Et aujourd'hui, nous accueillons Lauriana Marano, qui est basée sur Édimbourg et qui fait des cartes postales, entre autres. Alors, bonjour, bonjour Lauriana, je suis contente de te rencontrer. Bonjour Lise, merci de m'avoir proposé de participer à ce super calendrier de l'Avent. Super, pas de problème. Ah, d'accord. Est, ouest, nord, sud. Dans le 93, pour être plus précise. Ah, d'accord. Donc, c'est RERB, je suppose. Voilà, pas très loin. Oui, d'accord. Hein, ok. Je connais bien. Et donc, depuis quand tu habites en Écosse? Eh bien, je viens de m'installer en septembre. Septembre D'accord. dernier. Et comment ça se fait que tu sois arrivé en Écosse comme ça, qu'est-ce qui t'amène? Eh bien, oui, c'est vrai que j'aurais pu me sentir bloquée par le Covid plus le Brexit qui arrive, mais je me suis dit que c'était maintenant ou jamais. Donc, en fait, au départ, en France, je suis professeure d'anglais. Ça fait 4 ans que je travaille à l'éducation nationale et j'ai décidé de prendre une année de disponibilité, donc un congé sans solde pour réaliser mon rêve de vivre en Écosse et de passer au moins un an. On verra après ce qui va se passer, mais au moins un an ici à Édimbourg. Qu'est-ce que tu fais ici professionnellement? Donc, je crois que tu donnes quelques cours de français aux enfants bilingues à la petite école d'Édimbourg, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. C'est vrai que après, pour avoir un poste plus en temps plein, c'est un petit peu compliqué en ce moment, au vu de la situation. Donc, je me suis dit, pour profiter de mon temps libre, je vais mener à bien mes petits projets personnels qui m'ont toujours fait envie. Et donc, il n'y a pas très longtemps, j'ai enfin ouvert une petite boutique sur Etsy où je propose quelques produits inspirés de l'Écosse, entre autres. Et donc, c'est des produits qu'on peut acheter, que tu fabriques toi-même. Comment ça se présente? Oui, alors il faut savoir que je fais tout moi-même. C'est ce qui me plaît, de créer de A à Z quelque chose. Donc, vous trouverez plus particulièrement des cartes. Alors, bon, avec l'arrivée des fêtes, j'ai évidemment fait quelques cartes de Noël, il m'en reste encore un petit peu. Et puis, j'ai lancé des petits marque-pages. Donc, on peut retrouver quelques symboles écossais, comme le chardon que j'aime beaucoup. On a Nessie, une petite vache des Highlands, par exemple. Voilà, et puis j'ai plein d'autres idées qui, je pense, arriveront dans les semaines ou les mois qui viennent. Et je crois que tu m'avais parlé d'une carte postale personnalisable. Tu peux nous en dire un peu plus? Oui, j'ai eu l'idée de faire une carte avec un petit quilt en papier. Donc cette carte-là, vous pouvez choisir votre tartan préféré pour le quilt et le message que vous souhaitez indiquer sur la carte. Donc c'est complètement personnalisable pour offrir ou pour garder chez vous, tout simplement. Ben c'est très sympa et je crois que tu as d'autres activités aussi, mais complètement différentes et plutôt plus ludiques, on va dire. Oui, alors je m'amuse un petit peu sur ma chaîne YouTube. J'ai fait quelques vidéos et bien sur ce que je vis en Écosse, tout simplement, autant pour me créer mes propres souvenirs que pour le partager à mes amis, ma famille et puis n'importe qui serait intéressé et qui tomberait dessus. J'arrive quand même à faire ça malgré la pandémie. Du coup, ça ne pose pas trop de problèmes pour cet aspect de tes projets. C'est vrai qu'au niveau du voyage, c'est un petit peu compliqué puisque je voulais aussi profiter de cette année pour voyager un maximum, mais je trouve mon compte dans ces activités-là puisque
C'est ce qui me plaît. Je fais quand même ce qui me plaît. Je reste en Écosse. Puis à Édimbourg, il y a énormément de choses à voir, à découvrir, à redécouvrir. Donc, Donc tu en profites bien, quoi, en fait, Oui. malgré les circonstances difficiles. Bon, mais très bien, bah, merci beaucoup, Lauriana. Ça m'a fait très plaisir de parler quelques instants avec toi. Merci. Je te souhaite bonne chance, bien sûr, dans ton entreprise annexe, mais qui sait comment ça se développera, hein, de cartes postales et autres produits de papeterie. Eh bien, je te souhaite un bon joyeux Noël quand il viendra. Oui, merci beaucoup et à toi également. D'accord, bah, écoute, avec plaisir en tout cas de t'avoir parlé. Et donc, au revoir et au revoir à tous. Merci.